Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, ce sera une vidéo challenge. Donc j'ai décidé de faire un challenge en compagnie de ma sœur. Bonjour tout Alors le challenge consiste à faire un slime, mais en tirant au sort les ingrédients. Donc là on a plusieurs ingrédients que je vais vous montrer tout de suite. Et là c'est la colle, donc soit blanche soit transparente. Et forcément l'ingrédient qu'on aura toutes les deux, c'est obligatoire pour que le slime se forme. C'est le dacryocérum. Donc tiens, je t'en donne tout de suite pour après. Donc pour les ingrédients qu'on pourra mettre dans notre slime, il y a des perles argentées. On a plusieurs gels pailletés, donc on a argenté ou doré dans le tirage au sort. On a bleu ou rouge. On a des billes de verre, donc on a une grosse boîte comme ça avec des grosses billes de verre ou les petites comme ça, ce sera au choix. On a des paillettes multicolores que je trouve super sympa. Donc on a plusieurs colorants qui sont là et on a de la peinture acrylique rose. On a des élastiques loom, j'espère que je ne vais pas tomber là-dessus. On a aussi des stylos gel, donc ce sera la couleur au choix si on tombe dessus, donc orange ou vert. Et on a des paillettes roses. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Et bien sûr, on a la colle blanche, donc comme d'habitude, c'est Cléopâtre, ou la colle transparente. Donc ça, c'est le premier ingrédient qu'on va tirer au sort. Donc c'est parti, je vais te laisser tirer ton premier ingrédient. Donc, qui est la colle, soit blanche, donc moi je prends l'autre forcément, soit transparente. Oh non, je voulais le contraire. Colle transparente. Moi j'ai la colle blanche. Bon, bah voilà. Donc, je te laisse mettre déjà ta colle transparente. Moi je vais mettre ma colle blanche, donc vas-y, rapproche un peu ton récipient par là, pour qu'il veuille. Donc, on va pas faire un énorme slime, hein, ça sert à rien. Je suis désolée pour le bruit, hein, c'est la colle blanche à chaque fois. Donc, moi ça me paraît pas mal comme ça. Encore un peu, tu peux en mettre un petit peu quand même. Voilà à peu près la même quantité que moi. Donc, ensuite, je compte sur vous pour nous dire à la fin lequel est le plus beau. Pour l'instant, moi, c'est mal parti parce qu'il y a la colle blanche avec les paillettes, tout ça, mais bon, on verra. Alors, ensuite, on va tirer les ingrédients. Vas-y, tu commences par un. Allez, je vais te laisser déjà prendre ton ingrédient. Perles argent. Les perles argentées. Tiens. Je te laisse en mettre un petit peu dans ta colle. Moi, pendant ce temps-là, je vais tirer mon petit bout de papier. Par contre, il y en a qui commencent à se déplier. Bah, attendez, je replie vite fait, hop, sans regarder. Voilà. Vas-y, mets-en un peu. Tu mets la quantité que tu veux. Alors, moi, je suis tombée sur peinture acrylique. Oh, ça va être la catastrophe. Donc, c'est la peinture rose en plus. Voilà, je vais mettre ce que je peux en plus parce que bah il n'y en a plus beaucoup je crois. On va faire des petits bruits. Voilà, je pense que là déjà c'est pas mal. On mélangera à la fin, comme ça on découvrira vraiment ce que ça donne à la fin. Alors vas-y, à ton tour. Alors pour l'instant ça donne ça. Voilà. Paillettes multicolores. Mais la chance! Bah tiens, les voilà. Donc c'est ceux-là. Hop. Pour l'instant, t'as que des trucs bien. Regarde comment c'est trop beau. Ça va briller, quoi. Mais pour l'instant, c'est fade. Hein. Bon. Je vais tirer mon petit papier. Hop. Stylo gel au choix. Alors super, du rose avec un stylo gel. Je sais plus, il y avait quoi comme couleur, ils sont là. Donc c'est soit vert, soit orange. Bon, pour pas que ça fasse trop de différence, je vais prendre quand même orange. Donc c'est parti, comme d'habitude, faut le démonter et tout. Donc ça y est, je l'ai démonté. Maintenant, je vais mettre ça dedans. Moi, je fais toujours des bruits suspects, hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment pas beau. Mais bon, c'est comme ça.
C'est à toi, vas-y. Attends, tu vas piocher, hop, devant les abonnés. Il n'y a pas de triche. Et. Dis-moi que t'as un truc nul. Paillettes roses. J'y crois pas. Tiens, les blabes, elles sont là. À mon tour. Je le sens mal là, mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc vas-y, mets tes paillettes. Mais regardez-moi ça, ça va être trop beau. Je suis dégoûtée. Alors moi, je suis tombée sur billes de verre au choix. Bon. Alors, je vous remonte les couleurs. J'ai soit ceux-là, soit ceux-là qui sont transparentes, ou les vertes. Je pense que je vais prendre les transparentes parce qu'on a assez de dégâts. Donc c'est parti. C'est beau. Ouais, c'est ça, t'as raison. Elle se fout de moi là en fait. Hein, je vous préviens quand même. Donc vas-y, tire ton papier. Je sais pas, on tire sur. Je sais pas. En fait, tout. Si, les élastiques. Vas-y. Gel, paillette. Oh, donc tu dois choisir, bah vas-y, choisis entre les quatre couleurs. Elle a pris doré. Donc vas-y. Je suis mal. Et franchement, mettez-moi des pouces bleus. Hein. Soutenez-moi, parce que moi j'ai que des trucs, mais vraiment pas bon. Bon, tu vas y arriver avec ton gel ? Carrément devant, alors on va plus rien voir. T'en veux pas plus? Non, si. Si. Oui, d'accord, là t'as mis la dose. Bon, ben voilà. Alors, à fond, on a les couleurs flash, les couleurs qui brillent. Donc, c'est parti pour moi. Et. Gel pailleté aussi. Donc, ça va peut-être pas faire grand chose parce que comme j'ai de la colle blanche, mais bon. Bah moi je vais prendre argenté, hein. On va essayer d'en mettre pas mal pour essayer de rattraper tout ça. Alors moi je vais carrément l'ouvrir comme ça, ça va être plus simple. Hein. Voilà, j'espère que ça va aller. Donc vas-y. Dis-moi que t'as un truc. Oui. Fais tomber son truc. Bleu ou rouge? C'est les gels pailletés encore. Donc vas-y, choisis soit le bleu, soit le rouge. Tu y arrives. Ça y est. Ouais, donc là, je sais pas, avec le rouge, tout ça. En fait, elle va avoir juste un slime multicolore. Voilà. Tranquille, au calme. Donc, tu auras le dernier. J'espère que je vais pas avoir les élastiques. J'espère que je vais pas les avoir. Alors, attention. Colorant au choix. Elle est pas contente parce qu'elle a les élastiques. Alors, bah, comme colorant, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, je vais mettre du rouge. Comme j'ai pris déjà de la peinture rose, voilà, rose, orange, rouge. Au final, on va peut-être avoir une belle couleur. Hop. Donc au niveau de la quantité, je sais pas trop. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Je triche pas quand même, j'en mets pas mal. Bon, vas-y, tu prends tes élastiques. Les élastiques. Allez. On va gâcher un petit peu ton slime. Un petit peu. Non, non, pas qu'un seul, non, mais t'as rêvé. Bah, deux alors. Mais non, mais prends-en une poignée, tu triches là. Trois. Bah, on va pas tous les compter un par un. Allez, prends. Cinq, six. Bah, allez, dix, allez. Non, sept. Allez, mettez dix. Huit, neuf. Et dix. Non, t'as pas mis le dixième, allez. Franchement, comment t'as trop triché là. Bah non, il y en a 10, hein, vous êtes d'accord avec moi. Bon allez,
On va rajouter notre acide borique. Donc déjà, on va en mettre une pipette chacune pour voir déjà ce que ça donne. On aurait peut-être dû mélanger les ingrédients avant. En fait, toi, tu as de la chance, tu l'as pas mis, mais il aurait fallu mélanger avant. Donc c'est parti, on mélange. Alors moi, j'ai mis un petit peu d'acide borique, mais bon, c'est pas grave, ça va se mélanger quand même, je pense. D'accord, donc moi, ça va me donner un truc rose Barbie. Oh, c'est pas si mal comme couleur. Hein. C'est simple. Ah, mais elle a trop de la chance, elle. C'est plein de paillettes, moi. Non, il y a des élastiques. Waouh, attends, t'as vu ce que j'ai eu? Déjà, ça commençait mal avec la colle blanche. Après, j'ai eu des ingrédients, mais laisse tomber. Donc, voilà pour moi au niveau de la couleur pour l'instant. Et voilà, moi. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'acide borique. Commencer à former notre slime. Et on va vous les montrer, à la fin, quoi, pour voir ce que ça donne. Donc moi, il commence à se former. Il est vraiment... Il est beau, hein? Mais très beau. Oui, moi aussi, ça. Non, mais vas-y, tu m'énerves. Il est trop beau, ça. Mais là, il y a des élastiques. Bon, allez, on va finir de le former et on se retrouve tout de suite après. Donc, on va vous montrer chacune notre tour, notre slime. On va commencer par toi. Hein. Je suis pas pressée de vous montrer le mien. Hein. Catastrophe. Voilà! Il est trop beau le sien, il a un effet bronze là, avec plein de couleurs. Franchement, elle me dit qu'il est pas beau. Bah non, parce qu'il y a des élastiques. Bon, ça va, il se voyait pas beaucoup, t'en as mis que 10. Bah si, il se voyait bien. Ah, il y a un jaune. Vas-y, je vais montrer le mien, ma catastrophe. Donc par contre, le mien, il est très 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 élastique. Alors moi, il n'y a pas d'élastique. Donc voilà. Le mien, il est plus beau. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, le mien, en fait, il fait tout simple. Vous voyez pas beaucoup, mais on voit quand même un petit peu le gel pailleté argenté. Donc, voilà. Donc, dites-nous en commentaire celui que vous préférez. Laquelle de nous deux a gagné? Je connais déjà la réponse. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis.